La reine Camilla lance la saison de Noël, cette tradition qu'elle tient à perpétuer. Mercredi 6 décembre, la reine Camilla a invité, comme chaque année, des enfants malades de Londres à venir décorer le sapin de Clarence House en marge des fêtes de Noël. Au menu, repas de fête, rencontre avec des reines et entrevue avec un invité tout particulier. Camilla est la reine des fêtes de fin d'année. Ce mercredi 6 décembre, l'épouse de Charles III a endossé le rôle de Mère Noël. En invitant les enfants malades du centre Hélène et Douglas House et du Roald Dahl Charity dans sa résidence londonienne, à Clarence House, nous informent nos confrères britanniques du magazine Hello. Les jeunes convives, accompagnés des aides-soignants de l'organisme Roald Dahl Charity, se sont attelés à la décoration du sapin de Charles III et de son épouse. Avant de déguster un repas de fête, de faire la rencontre de deux reines tout juste arrivées de Laponie et de s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Je pense que si est-il la 18e année que nous organisons cette fête et je peux vous dire, comme tout le monde à Clarence House, que cela signifie vraiment le début de Noël, a expliqué la souveraine. Nous l'attendons avec impatience chaque année. J'aimerais également remercier les merveilleuses associations caritatives pour l'enfance pour ce qu'elles font, aider tant de parents, ces merveilleux enfants et leur rendre la vie plus facile. Finalement, l'organisation de cette rencontre annuelle ne serait-elle pas le plus beau cadeau de l'épouse de Charles III? Que feront les Windsor à Noël? Comme chaque année, les Windsor devraient prendre la direction de Sandringham pour célébrer les fêtes de Noël. Charles III, la reine Camilla, le prince William, la princesse Catherine et leurs enfants devraient tous se rendre dans le Norfolk pour honorer cette tradition de la famille royale. Les enfants et petits-enfants de la souveraine devraient également être de la partie. Quant aux princes Harry et Meghan Markle, le couple devrait rester aux États-Unis et passer les fêtes avec ses enfants. Archie et Lilibet, car les nouvelles révélations d'Omid Scobby dans Endgame n'ont rien arrangé aux relations déjà tendues entre le duc, la duchesse de Sussex et le reste de la famille royale britannique.